Salam alaikum les servis, bienvenue à la TV de Tata. Salam alaikum les Jones. Salam alaikum les Yaoudi, qui comme moi te fait chier comme un rat mort. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on se fait chier comme un rat mort? On fouille sur Instagram, on regarde des make-up qui sont mignons et on essaye de les reproduire. Donc voilà, on va passer de cette tranche de merde à je ne sais pas trop quoi. Il y a une sahbi qui arrête pas de me dire du bleu, du bleu, du bleu. Je sais pas, je vais essayer. On va faire au feeling comme d'hab, tu vois. Bref, avec le confinement, il est en train de me rendre gueudant. Tu vois, je perce des points blancs qui sont au fin fond de mes cellules. À la fin du confinement, c'est mieux, je vais voir Sabrina. Parce que là, pendant le cycle, j'ai un bouton. Pendant l'ovulation, j'ai un bouton. Au lieu de toucher à mon zoc, et ben je touche à ma tronche. Voilà. Comme si j'avais pas assez de problèmes dans ma carrière. Donc, le premier produit, je vous le mets ici parce que j'aime bien, c'est mignon. Bioderma brume hydratante pour se protéger des rayons. Putain, ça commence la mise au point. Bref, j'espère que vous gardez le moral, mais ça, mais je parle pas trop fort parce que mon chéri, il fait dodo. Il a travaillé ce matin, miskine. Encore une fois, les carrières ne sont pas fermées, je ne comprends pas. Il y a d'autres pays, ils sont en confinement total. Nous, on est en confinement à mi-temps, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. On va rester 6 mois avec ce gouvernement de Khara. On va rester 6 mois comme ça, on va. Putain. Donc, pour camoufler ma chevron, je vais mettre le fond de teint haute couvrance teinte 30. Je l'applique et je reviens parce que c'est pas très utile pour vous. Donc ensuite, Super Stay Concealer. Je vous mets le produit là. Mise au point, s'il te plaît, ne m'emmerde pas. J'en mets en guise de base à pop. Je recache mes gros boutons avec. Ensuite, je suis tellement chum que ma caméra ne veut pas faire de mise au point. T'as raison, salam alaikum Salma, la khanza du web, qui m'a dit que j'étais moche. Tazalik, je suis ni là pour être belle, ni là pour être moche. Je suis là pour qu'on galère ensemble, mon poteau, donc tu vois. Bref, City Bronzer de Maybelline, il est très bien pour un bronzer de supermarché. Non, mais pas trop, il le dit. Donc, tu m'en parles ou pas? Putain, le blushing. Ah là, je vais estomper pour moi. 45 minutes, putain, mais j'ai découlé. Je suis pas dans la merde. Bon, si je suis un peu trop rose de ce côté, j'ai pas fait exprès. Trop de pigmentation, tue la pigmentation. Oh, putain. 2h30 après, du coup, j'ai tellement estompé ma chevron que j'avais caché mon star ici et qu'il est ressorti. Bah, allez, c'est pas grave. On est humain, on a tous des pores, des boutons. Tu n'es pas anormal parce que tu as des pores. Bon, d'un côté. Donc, la voix dit que. Voilà. Bon, d'un côté, j'ai envie de faire ce make-up. J'avoue, il est stylé celui-là. Mais d'un autre côté, j'ai envie de faire un autre très coloré. Qui est absolument magnifique. J'avais screené ça. Bon, vas-y, on va se lancer un défi. On fait le bleu pour faire un big up à ma sahbi qui me demande tout le temps du bleu. Bon, on va se lancer un défi. On va faire ça parce que c'est pas du tout mes couleurs. Je pense que ça va être un massacre, mais on va essayer. Qui ne tente rien à rien, c'est le confinement, on sort pas de chez nous, même si on est chim, et ben allez, c'est pas grave, on aura tenté. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par la couleur de transition. C'est une histoire, j'ai pas que ça va foutre là. J'ai failli faire ton rendez-vous du profil de l'oracle. Et...
Allez, je me lance. Je sais pas trop ce qu'elle a en transition. On va improviser total. Voilà, gracias, Tandelinho. Je vais prendre la couleur basique de la palette Carnival Pro Palette. Et c'est ce petit marronné. Je sais pas trop comment l'appeler. Tu tapotes le surplus de matière. Ça, j'ai du mal à le faire. On y va. Si on pouvait rester sur cette lumière, ça me plairait bien. Donc, couleur de transition, je pense qu'on est pas mal. C'est un pinceau Zoeva que j'ai depuis très longtemps, mais il perd ses chars. Mais il est très très bien, mais il perd ses chars petit à petit. Donc, voilà quoi. Mais c'est un très bon pinceau estompeur. Entre chaque couleur, j'essuie mon pinceau avec le truc Sephora là. Je fais un vœu. Faites que le couleur Ronin ne dure pas 3 ans et demi, s'il te plaît. Arrête. Bon, je vais prendre un autre pinceau. Ensuite, à la belle, c'est super dangereux ce que je vais faire, mais c'est pas grave, riche. Je vais prendre la couleur palme de la palette Riviera, pardon. I'm sorry, guys. Je ne sais pas si on la trouve encore, cette palette. Je vais prendre un plus petit pinceau plus précis de Sephora. C'est le Chris Shadow en 3, pas teinte. Je vais l'appliquer à Naya et je vais me concentrer bien comme il faut parce que c'est dangereux. Donc vous l'appliquez ici. Je peux regarder si j'en avais ailleurs. Oui, sur le cou externe. Donc je peux rajouter une petite traha. Tac, on en met là. Donc je reprends le pinceau avec la couleur basique. Je rajoute pas de matière et je viens estomper. Zen. J'ai mis 3 heures à faire la mise au point. Bref, ensuite je vais prendre un peu de couleur Intuition. Elle est là. Intuition qui a un marron un peu plus foncé pour assombrir mon coin externe. Donc ensuite on va couper notre paupière comme elle l'a fait la meuf pour cacher la zermie. Et ensuite je vais prendre le bleu le plus ressemblant que j'ai. Parce que j'ai pas du tout la même couleur, ça me fait chier. Mais on va y arriver. Ça, c'est pas un pinceau, les filles, c'est un encens highlighter liquide. Tu vois, il n'y a plus rien dedans. Et je m'en sers comme pinceau. Je reprends mon pinceau Zoeva. Zoeva. Je vais estomper tout ce merdier. Et on mettra de la matière si besoin. Mais là, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vais me massacrer la fin. Tac. On va remettre un peu. Joya, méchée de zèf. Joya, joya. Il est pas mal là. Ici, il y a trop de matière, mais c'est pas grave. On va attendre. Quel bleu je prends pour pas tout niquer? C'est une bonne occasion. En plus, le sien, il y a des paillettes dedans. Moi, j'ai mal à la dèche. Attends, qu'est-ce que je vais prendre comme bleu? Je crois que je vais utiliser la Jiffy. J'ai peu d'espoir, mais bon, on va essayer. Oh, j'ai bien fait. Donc ensuite, je vais reprendre la couleur All de la palette Carnival Pro Palette. Je vais remettre un petit peu en chouïa ici. Et je vais prendre un peu la couleur Intuition mélangée. Je vais en remettre un petit peu. Donc ensuite, elle a du crayon bleu en muqueuse. J'en ai pas, mais on va essayer de mettre ça. Je
même pas si ça va fonctionner. Je vais acheter ça pour faire des make-up d'Halloween. Putain, tu veux lui faire quand même. Ne faites pas ça, ça brûle, ça brasse. Ah. Horrible. Bref, je trouve que c'est pas mal du tout, ça, franchement. Je vais mettre en lumière, ça sera beaucoup mieux. Et ensuite, on sait tout ce qui part de d'en haut. Putain, quelle idée à la con j'ai eue. Ça m'a brûlé bien l'air. It's that sweet life. Raise your cross. Made some do crack a smile. Les motards, ils croient ça, il fait beau, ils sortent, ils n'ont même pas au taf, ça se trouve. Ah là là là. Ma queue, ça se voit dans le confinement, elle est partie jusqu'à New York, frère. Mais franchement, c'est pas mal, on va y se tromper le merdier. Donc ensuite, je sais pas trop ce qu'elle a mis en coin interne, donc je vais prendre la palette de Jeffrey Woodlaharam et je vais prendre la couleur Welcome. Welcome in my paupière. En même temps, je vais la mettre là. Franchement, ces couleurs, elles sont vachement lumineuses. De sa palette, j'apprécie particulièrement. Donc ensuite, je vais estomper un petit peu en haut là, avec la couleur Lean. C'est une espèce de beige, donc assez mat. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Pour cacher la misère ici. Donc aujourd'hui au mascara, j'ai mixé le Kiko Extension Effect Mascara avec le 1 million. Donc en rouge à lèvres, j'ai mis le Clinique Matte. J'adore ce rouge à lèvres en teinte Blushing Pop et le lip injection de Too Faced. Voilà, Head Amaken, ça ira bien. Donc voilà ce que donne le make-up de plus près. Je suis pas hyper convaincue que ça me va. J'ai pas l'habitude de manier ces couleurs, je pense que ça se voit. Ce qui est la pauvrette de moi, soyez indulgents dans les commentaires mes sahbis. J'espère que ma sahbis qui voulait du bleu, j'ai un peu égayé ta journée, même si c'est pas parfait, voilà quoi. N'hésitez pas à mettre une note dans les commentaires si j'ai réussi ou pas à reproduire approximativement le make-up de la meuf d'Instagram. Donc, je sais pas trop quoi en penser, le make-up n'est pas trop immonde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous avez le droit de trouver sa chum. Je ne suis pas une meuf qui porte du bleu habituellement. Mais voilà, je vais me lancer un petit défi aujourd'hui. Vu comment on se fait chier comme des rats morts, vaut mieux se lancer des défis chaque jour. Même des défis à la con. Hein. Voilà, tu vois, moi c'était mon défi du jour. Bref, j'espère que ça vous aura plu mes petits sahbis. On est bientôt 45 000, c'est un truc de ouf. Vous êtes trop mignons. Je vous fais des gros bisous d'amour et merci à vous de votre soutien quotidien qui m'apporte beaucoup de chaleur dans mon cœur. Salam alaikum les gens, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez-y mollo, c'est la première fois que je mets du bleu dans mes yeux, ok? Je suis pas peu fière. Ça va, ça passe crème, c'est pas... Je vois avec les lunettes. C'est pas dégueulasse, quoi. Franchement, ça passe bien, même avec les lunettes. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, aussi sympathiques les unes que les autres, je l'espère. Salam alaikum, ya wildness. Va te faire beau gosse avec Tata avec cette vidéo. Et voilà quoi. Et sinon, on fait des soins du visage, des soins du shahar. Moi, c'est le week-end, mes soins des cheveux, du visage. Tranquille, tu vois, je me maquille pas tous les jours. Là, j'ai voulu me mettre une. À la dose, donc voilà quoi. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home. Je retourne de ce pas me faire chier comme un rat mort dans mon confinement. On est ensemble, mes sahbés. Bon courage tout le monde, bon courage à ceux qui bossent, les infirmières, le corps hospitalier, tous les gens qui bossent. Voilà. Vous salik.
Non, franchement, c'est mignonnette. Je sais pas.